peux tirer le rideau, mouche, mouche. Fais gaffe à la boule qui dort. Ouais, mais... On va dire que c'est bon. En tout cas, il y a une chose qu'on peut dire, c'est... Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour la suite de... BioShock Infinity. Découverte par Steve. Ouais. Donc, ce que je disais, alors, oui, bon, en fait, ton gâteau, c'est de la merde. Vous avez ma parole. Ok. C'est bizarre, hein. Alors, je vais jeter la pierre. Tu le sautes sur la tête. Attends, j'y mets les. Voilà. C'est ça, c'était mon caillou géant. Arrête de sauter sur tout. Ah, distributeur. Fort. On en avait raté un dans l'autre vidéo, mais bon. Alors ça, c'est un distributeur normal. T'auras différents types, hein. D pour améliorer tes compétences et tes armes. Mm-hmm. Et D comme ça. Okay. Enfin, plutôt les armes. Ok. Ceux-là, je dois te dire, je les ai normalement jamais utilisés en facile. Mais vu que t'es en normal, tu vas peut-être devoir l'utiliser. C'est quoi l'énergie pour Tony? C'est ce que tu peux... Ça, c'est les cristaux pour les points de magie, t'as pas encore. Et ça, c'est la vie. Est-ce que je dois déjà en acheter? Non. Même si je me demande déjà comment t'as fait pour en perdre. Je me rappelle plus. Bah en fait, quand je commençais la vie, j'avais dit à moins de PV, on va dire. De base. Je crois que c'est Côte, bah noyé là. Ah ouais. Ouvre des pommes. Ça aide. Hein. Ah qui c'est mis. Oh ma main. Ça sert à se nettoyer le cul. Donc tu devines évidemment que s'il le présente, c'est pas pour rien. Ouais. Tu l'auras plus tard. Alors, vous n'avez pas cette cristaux pour utiliser ce truc. Ah là, il y a un truc bizarre qui s'est produit. La statue là. Ouais. Elle a changé de gueule. Ouais. Excusez-moi. Donc, comme vu que c'est un BioShock, fouille partout. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, plante-toi ton doigt dans ton œil comme ça. Alors, donc, je te conseille de fouiller partout parce qu'il y a toujours des trucs. Tu peux lire le voxophone là? J'ai lu tous tes livres de porno, mais j'ai très bien aimé. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Mais sincèrement... Ah! Attends, on comprend mieux. Ils sont en train de jouer au jeu du petit doigt, tu vois. Tu le connais pas, ce jeu? Ah, t'avais un truc, tu pouvais fouiller, c'est ça. Ah, il y avait de l'ananas. Ah, c'est bon, t'as de nouveau ta vie à fond. Ouais, des cristaux. Non mais j'imagine le mec qui bouffe ces trucs à fond. Non, les cristaux c'est des trucs de magie que t'as en bas, tu vois, c'est la barre en bas. Ouais. En même temps, je te vois mal utiliser le pouvoir de possession là, tu risques d'avoir des problèmes. Qu'est-ce que... Oui. AD. La marque. Ça c'est la marque du mec qui ira voler le mouton, c'est-à-dire Elisabeth dans la ville, et donc les gens le craignent. Malheureusement, tu portes cette marque, donc ça veut dire que si les gens le remarquent, tu vas aller mal. Tu vois? Suicide-toi. Ouais. J'aime les roses toutes plates. C'est beau, hein. Ah. Bonjour, Jérémy Laffing. J'arrive plus. Ah. Il nous regarde. J'essaie de sortir par autre part, hein. Tu es moche. Ok. Promène-toi un peu. Donc surtout ne suis pas la flèche, hein. Les flèches. Quand t'appuies sur un des boutons, tu sais, il y avait une flèche. Non. Madame Hutesse, j'ai lu tout voilà. Sur les ne suis pas la flèche. Maman chemin. Dit, ce n'est pas le genre de
parce que ça te mène donc toujours aux trucs principaux et donc je te veux bien fouiller. Elle est simplement jalouse de notre intelligence. Ah, elle est jalouse de notre intelligence, tu te rends compte, Steve? Je crois qu'en fait tu vas rejouer tous les voxophones deux fois au moins dans cette... dans ces vidéos-là. Bonsoir! Si je te montre ma main, tu dis quoi? Vous devriez aller voir la tombe là. D'accord. C'est un événement. Je vais montrer ma main et je vois une tombe là. Là, tu lui montres la main et là, il te tue. C'est à gauche, hein. Waouh! Ça, c'est ma bite. Ta bite a des ailes? Non, elle est lumineuse. J'ai cru pas votre bite. Ah, il y a un truc là-bas. Tu peux les posséder aussi, si, dès que t'as assez de points de magie. Ah, comme t'as vu avant. Ouais, si tu achètes des cristaux et après que tu possèdes, ça te permet d'avoir de l'argent. Tu veux ou pas? C'est à qui, voit. Ok. Et donc appuie sur le bouton de magie, sur le truc. Comme ça. Non, ah. tu vas pas les posséder sur la machine. Ok. Oui. Ça marche pas? Ah, voilà. Oh putain, t'as gagné moins d'argent que t'en as dépensé. Connard. Sur la page, je devrais te reposséder. Bon, c'est qui chante? Bon, moi je sais, mais bon. Péter la frontière. Barba papa. Ça donne de la santé. Tu vas devenir gros à la fin du truc. C'est ce que je me dis toujours dans les Bioshocks. Tu vas devenir gros à la fin. Et tu bouffes toujours dans les Bioshocks. Et tu picoles aussi. Ah, la, 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 la. Dégage. Fuis. Ah, ils t'ont encerclé. Monsieur, pourquoi avez-vous... Monsieur, une balle. Non. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? J'adore. Je veux juste pour fuir. Voilà. Vas-y sur l'hôpital. Non. Qui sait? Elle me fera peut-être entrer à Monument Island. Monument Island, c'est là où tu dois aller. Non, 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 je suis occupé, ça veut gratter contre le mur. Non, non, non. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Non, là, là, par contre, tu peux pas suivre la flèche. Désolé, pas d'argent. Ah, c'est con. La tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. Ouais. 77. 77? Ça part de mieux. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol! N'est-ce pas la plus jolie chose du monde? Là, j'espère que tu vas pas faire le même choix que je. Oui, il y a des choix de temps en temps. Non. Que... Ah bah oui, on s'en doutait pas! Le numéro 77! Eh ben, quelle surprise! Tu le reconnais, lui? C'est celui que t'as vu dans la photo avant? Et donc là, tu vas avoir un choix. On va voir si tu vas faire le choix différent que j'ai fait dans ma partie, moi. Et parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, ils étaient très racistes. Ils le sont encore un peu aujourd'hui, mais... Alors, moi, je l'avais lancé sur le présentateur. À toi de voir. Sur qui tu lances. Vite, vite, avant que le temps s'écoule. Et si vous lancez la balle, vous l'entendez. Hé, t'as choisi qui? Bah, le coup. Ah. Donc t'as appuyé sur la gâchette gauche? Oui. Ok. Ça change plus tard. Bon, parce qu'en gros, si tu lances sur le présentateur, tu recroises le coup plus tard et ils te disent merci et tout. Par contre, si tu lances... sur le couple, tu vas voir l'adjoint du présentateur plus tard qui va te donner quelque chose. Donc t'es content? Ouais.
T'as mal. T'es content, Steve? Ouais. Donc maintenant, on sait que Steve, lui aussi, il est raciste, il allait lancer sur le couple. Eh ben... Hein? Alors Steve, mon raciste, ça va? Oui. Ah oui, tu peux me maintenir pour exécuter. Bah tiens, essaye de maintenir. Ah, c'est quoi de moi à parler. Voilà. Ça va? Ouais. Donc ça, ce sera ton arme de mêlée. Donc tu peux fouiller tous les cadavres. Et donc là, t'affrontes la police. Ouais. Les flics, ce sont tes ennemis principaux pour le moment. Il y en aura deux types. Les flics comme ça, les simples. Et plus tard, tu vas en affronter avec des tenues de combat. Ouais. Ouais. Je pense que t'es content. Ouais. Oh le gars. Je vais me chercher une glace. Ça me donne faim. Ça me donne faim d'avoir du sang. Ouais. Toi, tu n'as plus de téton. Mais c'est qu'on tire dessus. Yeah. Glace au chocolat noir. J'ai un flingue. Oups. Extrême. Ça c'était mon pouvoir. Ok, c'est air pour vous. Je pense que je vais jeter ça. Alors du coup j'ai ça, ok. Barre chocolat. Le mec qui bouffe tranquille après avoir tué plein de flics. Alors t'as plus d'étoiles? J'ai même pas pu utiliser le flingue. Là, il y a un truc à gauche. Un oxophone. Là, ouais. Ça, ce sont donc ceux qui t'améliorent les compétences, mais pour le moment, tu peux pas. Bah, je pouvais l'acheter sur le truc. Le poster des humains qui se suicident lorsque. Dit comme Stock, vous leur vendez le paradis et ils s'attendent à voir des angelots pour chaque tâche. Ah, t'as un sac d'argent à côté. Il n'y a pas de serviteur voilà, bon. Dans le royaume de Dieu. Tu t'en branles de ce qu'il dit. Vous pouvez posséder les humains qui se suicident lorsque les fait. Enfin... Donc maintenant tu peux posséder les humains. Ouais. Et donc en général j'économise mon fric pour les améliorations de pouvoir et d'armes. Donc tu auras compris, il y aura pour les armes et les pouvoirs. Et j'espère que tu arriveras à trouver les améliorations aussi de capacité, tu sais, pour augmenter ta barre de santé, ta barre de pouvoir et tout. Elles sont planquées un peu tout dans... Il faut fouiller, hein, Steve. Mais ça ira, je pense, hein. Ouais. Que ce sont des simples déjà. Non, c'est dans le miroir, pas t'inquiète. Pour avoir voulu sortir du rang. Mais... Ah bah, de toute façon, pour tous les trouver, j'étais obligé d'avoir une solution, mais je pense qu'on pourrait s'y retrouver quand même pas mal. Bon, je dirais pas tous, parce que quand même, il y en a des fois, ils sont bien cachés. Eh, mais... Est-ce que je dois te fouiller trop? Il est mort. Et plus tard, tu auras des améliorations, comme par exemple, si te touche, il y a un courant électrique, il y avait déjà ça dans les autres. Ouais. Mais qui sait que... Après ce niveau-là, tu raffronteras plus de flics comme ça pour le moment. Tu vas affronter ceux avec une tenue de combat. Et puis, vachement plus tard dans le jeu, tu affronteras des soldats de l'armée. Et tu devines que les soldats sont plus durs que les flics en combat et que les flics en combat sont plus durs que les flics comme ça. Hein? J'aime. Parce que ceux-là, ils ont juste le flingue et le truc comme t'as vu avant. Hein. Ouais. Il est. Tu peux paralyser, enfin posséder. C'est vrai. C'est dommage parce qu'elle peut être utile celle-là si tu la possèdes. C'est marrant, mais je te dis. Ouais.
Sift, ça va te penser pour les prochaines. Ouais. Parce qu'elles peuvent être vraiment utiles. Tu les possèdes. Ouais, je pensais pas que ça pouvait se retourner. Tu peux aussi posséder les humains, comme on a dit avant. Ouais, c'est vrai. Bah, moulou. De toute façon, s'il meurt, c'est. Ce que j'adore, c'est qu'en plus, à la fin, donc il se suicide. Donc ça permet d'éviter qu'il se retourne contre toi. Ouais. Il faut de la bouffe. J'aurais voulu en posséder un autre. Oui. Bah il s'est suicidé. Ta gueule. Par contre fais gaffe, il y a une tourelle bientôt. Et mieux vaut les posséder. Ouais, je refais la même erreur. D'ailleurs, tu sais ce qui est bien, c'est mieux vaut les posséder, puis leur tirer dessus pendant qu'elles sont possédées. Mm-hmm. Ça t'est. Parce que ça t'évite de perdre des points de vie inutilement. Et de pouvoir le péter quand même pour éviter qu'elles tirent dessus ensuite. Est-ce que je pense pas qu'ils peuvent se suicider? Ouais. Je te dis ça parce que normalement il y en a encore une. Je me plante pas. Bah je crois qu'il y a juste là. Ouais. Possède là. Le mur, bien sûr. Et forcément si tu possèdes une tourelle, elle peut tirer sur les ennemis. Ouais, non, je pense que c'est simplement dégommer vu que j'ai pas ce pouvoir. Fais gaffe parce qu'elle peut se retourner. Ouais, parce que c'est ce que j'ai vu avec la toile. Une odeur, t'attends bien qu'elle soit tournée vers toi pour le tirer dessus. Non, j'ai plutôt pensé qu'elle soit tournée instantanément parce qu'avant c'est ce qui m'a fait aussi. Non, mais je veux dire, t'as attendu qu'elle se soit tournée complètement. Mais... Ouf, les gars. Y'a pas une petite régénération du jour quand t'as un état critique? Je crois aussi. Ou c'est vraiment va te faire foutre. Je sais pas en normal. Plante-toi. Au cas où. Je crois que ce sont peut-être des bonnes enculées. Adon. Fait que sa vie qui se régène pas trop vite, super. Ah, BioShock, ça n'a jamais été un jeu super simple. Hein. Heureusement que les ennemis simples meurent très rapidement. Tu remarques qu'il y a beaucoup moins de monde, enfin beaucoup moins de civils. Ouais. Bon, on va éviter d'utiliser ça parce que c'est pour prendre des coups de guerre, ça va pas faire. Si vraiment t'as besoin, tu peux acheter de la santé dans les trucs. Hein. Ouais. Je suis sûr que je peux trier à travers moi, bien sûr. Ouais. Non, il était pas là. C'est pas visé. Le mec il était à côté. C'est pas visé. T'es vraiment bon. Cueille des fleurs. Tu les offriras à ta grand-mère. Heureusement, il y a beaucoup de bouffe. Hein. Oui. Heureusement. Je vous dis rien, déjà. On verra. Ouais. Plus une autre pièce. La case de distribution était très riche. Oh. Alors, ça t'enlève des cristaux mais ça te donne de la santé. Oh putain. Je
bois du whisky. Oh, oh putain, t'aurais peut-être pas dû boire cette fiole. Parce que ça t'a enlevé la moitié de Christo. Ouais. Pour te donner des points de vie. Le vieil. Je rentre une poste bizarre. Ça pue, hein. C'est pour ça qu'en plus, donc, des fois, faut bien surveiller ce que tu prends. Hein. C'est un dur choix. Bon, je préfère quand même plus de PV, moi, j'ai quand même. Mais c'est quand même une bonne question, des fois, que tu te poseras plus tard. Surtout ouais. Plus tard, quand tu affronteras des gros ennemis balèzes, et que tu te dis... Oh, quoi. Mm. Bon, les trucs, tu peux toujours bien prendre, c'est les fioles comme ça. Toujours noter où sont les trucs de santé. Dispersés sur la carte là, tu penses qu'il y en a une comme ça. Tu sais que tu, si tu peux, t'essayes de revenir plus tard si t'en as besoin. Ouais. Si tu peux bien. Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Et tu croises les premiers pompiers. Génial. Ah d'accord, il rigole pas en fait. Attends, et lui en fait, il a le vigor de feu. Maintenant tire lui dessus. Ça te permet de lui descendre la vie comme ça pendant que tu... Et là tu peux lui rembalancer une dose. Ça va être la tire chose ou non? Je sais pas, mais au cas où quand même. C'est un bonbon. Eh ben. Ouais fais gaffe, hein, quand il est en mode là, il te saute dessus comme là. Pour exploser. Tel qu'il descend. Bon, je pense parce que c'était le premier ennemi ou un truc comme ça. Ouais. Prenez le tonique du pyromane. Il est par terre là. Ah ouais. Vu que t'as remarqué, il avait un tonique, hein. Prends le baiser du diable. Baiser du diable. Pourquoi pas. T'auras des toniques donc cachées plus tard aussi. Bon, moi j'ai mes toniques préférées, hein. Je verrai bien lesquelles tu utilises principalement. Parce que chacun ses toniques pour utiliser contre tel type d'ennemi. Parce que tu auras des toniques qui sont plus utiles contre certains ennemis que d'autres. Ouais. Même si Baiser du Diable, c'est sûrement l'un de ceux que tu utiliseras le plus avec Possession. Je m'attendais pas à ça. Non. Si tu rappuies sur le truc, ça fait quoi? J'ai fait ça, je crois. Et ils s'attendent à voir des angelots pour chaque... En fait, tu vas vraiment tous les rejouer à chaque fois. C'est ça que j'adore. En tout cas, il s'est bien amusé, le pompier Pyro. Ouais, j'ai vraiment joué un peu une... Ah non, ok. C'est parce que lui, il utilise moins de trucs pour... Ouais. Pas contre plein de toi. Possède-la. Hop. Tant que ça soulage votre conscience, ma foi. T'aurais peut-être dû le laisser un peu vu qu'elle était en train de se débarrasser des ennemis là. On va peut-être tester ce truc là. Non, vous le faites. Bon. Allez, j'espère que vous avez beaucoup de bouffe sur vous parce que là. Ah, c'est maintenant que vous m'apprenez comment choisir une tonique. Ce que j'adore, c'est les mecs qui se travaillent avec une tonne de pommes sur eux, des trucs. Hein. Toujours fouiller les endroits, là, à droite, j'ai vu un endroit, là, pour voir s'il y a... Ici. Non, il y a rien. Il y a un objet distinct pour voir, genre, les trucs cachés, là. Peut-être genre pour améliorer son vie ou un truc comme ça. C'est tout. Je me rappelle de beaucoup de vigor, par exemple, un qui te permet de faire un sprint, comme ça, tu sais. Il y en aura un électrique, normalement. T'auras une... pas mal de vigor. Yeah, c'est marrant. T'as celui de corbeau, qui est utile contre un type d'ennemi, je te dirai plus tard. Mm-hmm. Bon, ben... J'ai fouillé là. Ah. Ah, ça veut dire que t'es à fond. Ouais. Ah, à gauche. Il y a un petit truc. Prends le sac à main de la vieille. Ouais. J'imagine les mecs, ils ont tellement peur qu'ils sont dans le vide. Ouais. Normalement, donc c'est les derniers flics normaux que t'affrontes. Vu qu'après, c'est ceux en tenue spécialisée.
Et là, il y a un cochon. Restaurant. Un restaurant. Un restaurant. Faut comme fouiller au cas où. Et on verra quand est-ce qu'on quitte la vidéo, c'est toi qui vois. Là, ça fait déjà 30 minutes. Tu veux qu'on fasse une vidéo de combien? 40. Ok. Toi de Comstock Center, donc t'arrives sur la deuxième zone. Alors, donc maintenant tu sais que t'es recherché par les flics de la ville. Ouais. Parce qu'ils ont vu que t'étais le berger qui vient prendre le mouton. Enfin l'agneau en tout cas. Qu'est-ce que ça crée l'agneau? Bonne question, mais ça a l'air d'être leur truc sacré en tout cas. Donc là, ouais, ça va te puiser tout ce qui te reste là en cristaux. Vu ma vie. Voilà, t'as plus de cristaux. C'est pas, on en trouverait bien, je pense. Vous n'avez plus de cristaux, vous devez en trouver. Et là, après, tu prends un truc qui te fait perdre la vie pour prendre les cristaux. Non, non. Ah bah voilà. Ouais. Ah bah oui. Ah oui, bon. Allez, soda, ça te donne des cristaux. Ah non. Et là, t'as des kinétoscopes que tu peux regarder là-bas. Il y a les kinétoscopes juste là-bas. Ah, trois pièces d'équipement, on les trouve au restaurant. Ah oui, parce que tu as des équipements dans le jeu qui te permettent d'avoir des compétences spéciales et tout. Et ce qui est marrant avec les équipements, tu sais ce que c'est? Ils sont complètement aléatoires. C'est-à-dire tu peux avoir des équipements que tu ne trouveras plus dans la partie suivante. Même en fouillant tous les trucs. Le rêve du prophète. Faut que je regarde ça. Non. Ok. Je pense que c'est les trucs qui t'intéressent le moins, ça. Oui. En tout cas, tu débloques un succès en les trouvant tous, mais je les ai déjà tous trouvés. Vu que j'ai cherché la solution. Donc là, tu vas arriver, tu vas trouver donc les trois équipements en question. Ça, c'est parce que je crois que j'ai un bonus grâce à un truc qui permet d'avoir les trois. Pourquoi me suivez-vous? Je... Hein? Un apéritif? Je crois qu'il est mort. Tu sais ce qui me fait rester? Quoi? C'est que j'adore... Là, il y a ton personnage qui dit « Mais pourquoi vous me suivez ?» Et là, il y a l'autre personnage qui rétorque « Mais pourquoi vous me suivez ?» Alors non, je ne fumerai pas de cigarette. Ouais. Alors Steve, tu crois que c'est nous qui les suivons ou c'est eux qui nous suivent? Je sais pas. Non, c'est eux qui nous suivent. Alors fouille les caisses enregistreuses. Ça vous dérange pas les gars? Ouais. Et de l'orange, et fouille sous les comptoirs aussi, il y a toujours des trucs. Mais non! Ah, des petites piécettes. Toujours fouiller. Et donc va pas prendre le truc de la madame tout de suite. Ouais, faut que je vois des trucs bruits encore. Ouais, c'est les équipements que j'ai débloqués grâce à mes bonus. On va éviter de prendre ça. Le gros cristaux. Ouais, faut pas confondre les bières et le soda. Dans la vraie vie non plus. Ok, bon. Bah alors, dis merci à Bibi, hein. Équipement. Broker des compétences uniques. Et voilà. Vous pouvez en porter que 4, et voilà. Et ils sont complètement aléatoires. Donc voilà. Pantalon tour. Je vais vous repousser les ennemis qui vous attaquent au corps à corps. Ça, c'est bien. Et donc, par contre, dès que t'en changes un, normalement, je crois que tu peux plus remettre ensuite. Hein, donc, il faut bien choisir plus tard. Chapeau édition spéciale. Lorsque vous trouvez des voxophones, vous gagnez également des aigles d'argent. Donc là, je crois que tu vas chercher tous les voxophones du jeu. Hein? Bot traite. Lorsque vous tuez un ennemi possédé, il explose. Les ennemis à proximité subissent 360 points de dégâts en 5 secondes. C'est pas un truc que j'utilise. On verra bien. Je pense que tu vas le remplacer dès qu'il y aura un autre truc, c'est ça? Parce que pour le moment, tu les as équipés direct, vu que c'est chaque truc différent. Ceci pourrait bien vous... Enfin, je crois, regarde sur le menu pour voir. Parce que normalement, je pense que tu peux voir sur le menu, c'est l'autre. Alors, les objectifs, voilà. Donc, tu les as déjà tous équipés. Alors, mieux vaut le garder pour le moment, en tout cas. Ouais. Tant que t'as pas un autre. Et c'est quoi les autres trucs déjà sur le menu, là?
fouillons un peu. Donc ça c'est les objectifs, ça c'est les équipements, ça c'est les armes. Ne les ai pas. Voilà. Ça c'est tous les autres trucs que tu auras plus tard. Ok, je ne l'ai pas pour l'instant, je vais les garder. Les box off, ok. Voilà, ça c'est bien les... Freeze. Et là, elle te donne un nouveau truc. Bouclier. Ajoute un champ magnétique répulsion. Parce qu'en fait, tu auras trois trucs à améliorer, tu sais, avec les potions spéciales. Bouclier, vie et tonique. C'est ce que j'ai vu en même temps. Ouais. C'était quoi ça? Surprenant que ça fonctionne. Ah, ça peut pas parce qu'en plus ils se rechargent. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand tu les trouves tous, les autres trucs, donc ils te laissent choisir ce que tu vas améliorer. Moi, je faisais équitablement, j'améliorais l'un, puis l'autre, puis l'autre. Ouais, je pense que enfin, moi aussi j'améliore. Enfin, si tu trouves tous. Yeah. Tu veux pas écouter le voxophone? Hey, le Stock a fait appel à moi aujourd'hui. À moi. Ça dit qu'on change juste de place si ça te dit pour que je puisse voir si j'arrive à trouver une solution. Ouais. Ou chercher les trucs parce que je pense que ça t'intéresse. Coucou. Ça t'intéresse, c'est ça? Santé. Voilà ce qu'il a dit. Le mec trop con. Bah, du coup ça fait plaisir d'avoir un bouclier quand même. Ça me rassure déjà. Alors aujourd'hui même, nous célébrons l'anniversaire de notre sécession avec la flotte impériale. Un pigeon. Eh putain. Ouais, par contre là tu risques de te faire gauler là. Bon. Et donc là, tu vas découvrir une utilité pour ton grappin machin truc. Donc là, je cherche pour les voxophones. Bon, les télescopes et kinétoscopes, tu t'en fous. Et je vais chercher pour les infusions. Oui. Hein? Les infusions, c'est la meilleure somme qui tout ça? Ouais, c'est ça. Les voxophones aussi, donc ça t'intéresse? Ouais, vite. Alors, pour saisir un point d'accroche, regardez-le et appuyez sur A. Et si je m'accrochais avec ce grappe-ciel. Ah, le gars, je sais direct. Oh hey, ce truc doit être aimanté. Stylé. Ouais, pas mal. Oui. Ah oui, je peux le faire. Oui. Boum. Oh, une mitraille. Ah. Et d'ailleurs, à un moment donné, il faudra rebrousser le chemin, je te préviendrai. Ok. Ah, là, franchement, ça fait plaisir d'avoir un bouclier, franchement. Comment ça fait, ça m'évitera, on va dire, de camper à chaque fois. Enfin, comme je te laisse gâter. Oh non, les voxophones, pas besoin, je pense qu'on peut s'en sortir. Alors. Il y en a deux dans ce niveau des infusions. C'est pas. Et il y a aussi un objectif secondaire. Parce qu'il y a aussi des objectifs secondaires. Je te préviendrai quand c'est. Alors le premier, normalement, tu devrais pas le rater. Vu qu'il est posé en évidence. Et le deuxième, c'est en suivant le truc secondaire. Et donc là, tu affrontes les flics avec les armures améliorées. Ouais, c'est ce que j'ai capté. Enfin bref, le premier est scripté que tu prends, on va dire, enfin, tu vois, une canon comme ça. Ouais. Bah, c'est comme d'hab, le premier, tu. Pigeon. Je pense que les voxophones, tu devrais t'en sortir. Et au pire, je les montrerai durement, c'est lui, ça. Mais. En tout cas, c'est cool, je vais même traiter. Elle nous a prévenus! Essaye de faire possession, tu peux. Ouais. Ça permettra d'éliminer les autres ennemis. Enfin, si. Ouais, y'a plus. Enfin, si, mais elle gueule au loin. Et
Et normalement, je crois que t'es pas obligé d'attendre. Tu peux te continuer, tu vois. Ouais. Et normalement, t'es pas obligé d'attendre la fin du truc pour lui rebalancer une charge dans la gueule. Hein. Ah, je te préviens juste, t'es pas obligé d'attendre que c'est fini la possession. Hein. Ouais. Voilà. Et normalement, donc, je pense que tu peux rejoindre des trucs en haut si je me plante pas. Si... Ça ? Ouais, normalement, s'il y a un truc à grappin, normalement. Parce que moi, je crois que j'y suis arrivé. On va essayer, de toute façon, je meurs pas. Parce que j'aime pas trop avoir des tirs derrière vous. Allez, vas-y. Oh. Attends, ah, tu penses, je pense que tu peux d'en haut là. À droite. À droite. À droite, droite, droite. Là. Ah ouais, petit. Ouais, d'abord, tu es mouloud là. Mouloud. Tu remarques qu'il y a des femmes, hein. Ouais. Salut, salut. Ça, c'est l'attaque surpuissante quand même. Et donc tu as trouvé, donc t'as eu ta nouvelle arme. Hein. Ouais, je suis assez contente. Tu es contente? Oui. Ouais. Ah ouais, tiens, moi, je ma ça. Petite fille. Oh mais c'était une meuf. Eh achève là. Allez, t'es ton. Oh. Bon, on va arrêter d'avancer, on va retourner la corde. Eh, batte-la un peu. Miam, miam, miam. Oh putain. Figo. Go. Voilà. Bon, moi, ça, c'est moins bien. Ouais, ça, c'est sympa, le petit coup de la... C'est là que tu l'embrasses avec le baiser du diable. Ah bah non, tu peux pas. Par contre, c'est l'autre à côté que tu peux. Okay. Parce que là, tu vois qu'il y a un autre. Par contre, lui, je vais l'embraser, ce sera plus simple. You. Celui-là, donc, tu peux atterrir. T'en sors bien? Bravo, t'as gagné la Master Ball. Tu l'as pas vu. Steve, ouais. Tout le monde doit rester calme. Ah bon? Ah bah... Bon, elle est tombée dans le vide là. Hein. Bien, d'accord. Balance-le, ah bon. Et là, par contre, là, c'est pour le truc secondaire. Mais il faudra que tu reviennes normalement encore après. Ah. Ouais. Faut pas monter d'abord là-dedans. Ceux qui voient. L'objectif, techniquement, il est vers là-bas. Hein. On va essayer d'aller. Bah, moi, de... Je crois que c'était mieux de rester là-bas, en fait. Oh, trop tard. Bon, ils sont assez, mais bon. Allez, essaye. Non. Vu le saut. Ouais, je coupe, c'est bon. N'importe quoi. L'organe est pas pété. Ouais. Oh fenêtre, putain, fait. J'imagine déjà après, ça va être marrant. Donc, pète la vitre et rentre. Donc ça maintenant les. Quand tu retrouves des vigors comme ça, ça te permet d'avoir à fond. Okay. Ah ouais. Enfin c'est. Parce que forcément tu peux pas regagner le même vigor. Hein. Parce que là tu vas avoir un coffre dans ce coin et tu peux l'ouvrir que justement en prenant une clé plus tard. Donc faudra revenir. Je pense que ça ne dérangera pas. Si ça te permet de péter de la gueule à de nouveaux ennemis. Bon, donc on va fouiller un peu la baraque.
Bonjour, monsieur. Tout va bien. Ta gueule. Je suis pas comme eux. Le mec. Tout va bien, je suis pas comme eux. Et en plus, la fin de sa phrase, il a dit alors que t'étais déjà en train de buter. Hein? Non mais toi, t'es vraiment ignoble. Surtout qu'en plus, le mec, il était innocent. Ça, je m'en fous. C'est ça, bah, donc c'est ça que j'aime bien, maintenant tu peux buter les mecs. Hein. Je pense que tu vas t'éclater à buter tous les civils que tu croises maintenant. Même s'il n'y en aura plus beaucoup, je pense qu'il va s'éclater. Hein. Donc voilà, là t'as déjà vu le coffre. Donc là, mitrailleuse. Ah bah en plus il y a un voxophone. Otus travaille à la loge à mi-temps. Il a pris cette boîte au cours d'une de leurs cérémonies secrètes et je sais. Donc là, il faudra revenir avec les clés plus tard. Le problème. Les objectifs secondaires vous donnent la possibilité de trouver des ressources de valeur. Ouvrez l'œil, voilà, essayez de repérer la clé. La clé, je te dirai quand elle est. Il n'a pas cru bon de prendre une clé au frère à plus. C'est sympa les trucs secondaires. Et normalement, il y a encore une autre pièce où il y a l'infusion. L'infusion est dans une des pièces. Alors attends. Ah non, je vois. L'infusion est dans le coffre. C'est pour ça. Donc là, ça te motive un peu plus pour la clé. Hein. Bon, on reviendra plus tard ici. Voilà. En attendant, tu vas faire ton chemin à la Tarzan. C'est sûr qu'on pourra revenir. Ouais, ouais, parce que regarde. Regarde là-bas. Non, derrière, l'autre côté à la Tarzan, comme j'ai dit. Derrière là. Là où. Voilà, ah. T'as les crochets, donc tu pourras revenir. Voilà, atterris d'abord ici, c'est bien. Ça te permet de fouiller un peu les trucs. Voilà. Tu te sens l'âme de Tarzan, c'est bien. Ah, tu t'éclates, hein. Ouais. Même si t'as commencé, c'était un peu chaud, hein. T'as failli crever au départ. Ouais, mais ça, c'était avant que j'ai le bouclier. Ouais. En tout cas, tu fais un carnage en ville. Donc on va pas tarder à arrêter d'ailleurs, vu que les 40 minutes arrivent. Dès qu'il y a un point de contrôle. Quoi ? Voilà, sauvegarde. On arrête là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu le sauras prochainement. Au revoir les gens. Fais pause.